Salut à tous, c'est Spoon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis sur le jeu Hearthstone qui est passé gratuit depuis je ne sais pas combien de temps. En fait j'ai vu qu'il était gratuit cet après-midi. Donc j'ai quand même joué un tout petit peu, donc je vais vous montrer. Donc si on regarde dans entraînement, attendez, ça change. Voilà, donc j'ai que les trois decks de base. C'est pas trop mal. Il est quand même niveau 3. Voilà. Donc on va se faire une petite partie en ligne. Donc hop. On va prendre le guerrier. Dommage. Le guerrier, dommage. Bon, allez, le guerrier. J'ai jamais essayé le guerrier. Voilà. Ça j'aime bien, c'est quand ça tourne, c'est trop. Donc à ce moment-là, au moment où je tourne, je viens de tourner la récolte automatique de canne à sucre sur Minecraft. Donc vous aurez l'épisode je pense en même temps que Hearthstone. Voilà, donc j'ai essayé de reprendre un rythme régulier sur les vidéos. Parce que je me suis un peu relâché pendant les vacances. Et voilà. Allez. Ah voilà. Adversaire contre d'un, bon ça va. Un prêtre, bon ça va. Non, ouais, il peut se faire juste un soin. Donc, qu'est-ce que j'ai? On va pas trop envie de garder ça. On va supprimer. Bah, on va remplacer celle-là. Sauf si j'ai encore pire. Bon, ça va. Pas mal. Hop, donc on commence la partie. Bim. Ah bah il est terminé. Bon, sauf s'il a un 1 qui a charge. Bon, il pourrait commencer à me faire des dégâts, mais c'est pas. Il me fera pas très mal. Bon, là il va mettre un 2. Bon. Avec sa pièce. Bon. Seulement. je charge. Je vais mettre une hache de guerre. Hop. Qui me permet de l'attaquer lui. Donc il va me faire mal. Mais... c'est pas grave. Ouais, donc c'est seulement la deuxième partie que j'ai fait en ligne. Parce que j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez plus de contenu comme ça ou des tournois entre amis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Oh, ça fait mal. Vous pouvez me le dire, j'essaierai de... Sauf si j'ai des grosses impossibilités, j'essaierai de le faire le plus vite possible. Voilà, donc c'est à mon tour. Qu'est-ce que je peux mettre Je vais mettre ça parce qu'il a charge, donc je pourrais l'attaquer tout de suite. Voilà. Donc à part s'il utilise son soin, il peut reprendre. Ouais. Ah, ça rend quand même 2 points de vie. Ouais. Bon, moi ça me protège de 2, donc c'est l'inverse. Aïe. Oh. C'est pas con. Donc au silence c'est bien. Ouais, il ne peut pas attaquer. Ok. Aïe, je l'aurais prédit. Allez. Voilà, il faut une carte. Oh, parfait. Donc, soit je joue... j'hésite. Non, on va jouer en provocation. Alors, c'est quoi, réduit au silence? Ah, ok, réduit au silence, elle enlève juste son attaque. Oh, ok. Oh, bon, j'avais jamais découvert ça. Bon, c'est bien, on a égalité pour l'instant. Donc après au prochain tour je vais prendre je vais mettre ça et ça, ces deux cartes là, comme ça fait 5 points. Oh, ça... Ouh, 4 de vie. Oh, c'est bon. Donc là bon, c'est pour le prochain tour, donc on a dit ça. Confère 2 points d'attaque et charge un seul tour.
Ah, on va mettre Charles. On va le mettre. Lui. J'ai longuement hésité. Voilà. Bon, tu l'invoques ta carte ou. Il est où? Ah, c'est un sort, ok. ouais. <c'est ça. rire> Ah, voilà. Ok, on va attaquer directement. Un petit bug. Attaquer directement cette envie. Non, parce que de toute façon, il peut que se soigner pour l'instant. Bon, ça, c'est un gros sort de soin. Oh, la provocation. Bon, pas grave, de toute façon, il est mort avec lui. Ouais. Pour l'instant. Si elle va me faire. Non, elle va pas attaquer. Ça serait con. Parce que s'il attaque avec lui, il va peut-être me le tuer, mais il va perdre son tour. Son attaque. Ouais. donc j'ai 6 points. Donc je vais faire ça. Un murloc. Une protection. Voilà. On enchaîne. Donc on va lui tuer. Ouais, on va lui tuer. Avec lui. Voilà, comme ça on peut faire ça. Et ça. Boum. Voilà, donc est-ce qu'il va me jouer? Je pense qu'il va essayer de se soigner parce qu'il a plus beaucoup de vie, donc ouais, au prochain tour, s'il n'est pas de provocation, il a perdu. Chaque fois que le serviteur subit des dégâts, il gagne. Ok. Ah, ça c'est trop bien! Chaque fois qu'il perd un point de vie, il peut... pas mal. Donc juste pour le lol, hein, bon, en plus on a gagné. Voilà, on va lui faire les petites cartes en premier. Hop. Et boum. Et voilà. C'était une partie très rapide. De toute façon, pour l'instant, puisque je suis pas très haut niveau, c'est pas très dur. Un level. Oh. Donc en plus, j'ai gagné 10 pièces. Oh, prêt, ouais. Un fiche de points de dégâts à des serviteurs. Oh, bien. Cool. Donc je fais une ellipse et je reprends dès que j'ai relancé un nouveau combat, tout de suite. Bonjour tout le monde, donc je relance un combat. Allez. Je suis jamais tombé sur autre chose que adversaire convenable, donc je sais pas si ça existe ou si c'est juste pour nous faire stresser les autres titres. Voilà, donc, je pense que je vais avoir adversaire où j'ai peur. Adversaire convenable, bon, ouais, c'est bon. Oh, un mage. Bon, elle peut me faire. Ok, sérieux. Une carte supplémentaire. Je vais remplacer. Chaque fois que vous avez. J'ai supprimé ça et ça. Encore pire. Sérieux. Bonjour. Ah, mais c'est cool ça! Comme ça, je pourrais jouer dès mon premier tour, je pourrais jouer lui. Oh, cool! Je viens de l'obtenir en fait. Cool! Allez! On fait ça. Ouais, si tu veux. Donc, moi, je vais activer ma pièce. Comme ça, je peux mettre. Voilà! Deux murlocs. Bah, le murloc et l'autre murloc. Ça fait deux. Donc, j'ai vu aussi qu'il y a une version qui est sortie sur l'Apple Store. Donc je sais pas si je ferai des vidéos, mais je pense pas. J'en vois pas l'intérêt. Je vois pas à quoi ça pourrait me servir puisque maintenant la version existe sur PC gratuite. Donc voilà. Bon allez, tu joues toi. Donc 3, je vais voir déjà ce que j'ai joué.
Oh, cool. J'en ai déjà deux, en fait. Comme ça, après, je mettrai ça. Ils auront tous les deux charges. Bah, au moins elle. Et on dit ça après. Détruire un serviteur. Bah, mais j'ai. Non, j'en ai aucun. Voilà. On va attaquer tout de suite. Hop. Bon. Bon, pour l'instant, je suis peut-être en train de mener. Je vois pas trop ce qu'elle peut jouer après. Bon, après, elle peut peut-être. Je pense qu'elle va tirer avec. Elle va me tirer avec sa boule de feu ou elle va faire un sort de zone. Ouais. 7-4. Je vais vous écraser. J'adore ces phrases. Bastingo. Ah, une provocation. Donc j'ai 4 points. Donc si on calcule ça fait 1, lui va mourir, donc ça fait... Ouais, donc on va faire ça, hop, il meurt, il est blessé, on peut le tuer. Et après il y a deux façons. Ouais, je vais mettre ça. Comme ça, ils ont... Voilà. Donc on a repris l'avantage. Maintenant je commence... Bah il a 24 points de vie, j'en ai 27. Plus 2 d'armure. Donc je vais économiser ma vie. Ils ne s'en relèveront pas. Salut. Donc j'ai 5 points. Donc 5 points, je peux faire quoi? Oh oui. 5. Non, je vais attendre le prochain tour. Voilà, comme ça, là, j'ai le plus ça. Voilà, plus son sanglier. Et je vais mettre la hache de guerre. Et ça, en plus, je peux attaquer. Donc, on va faire ça. Hop. 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 Tu vas tâter mon frère. Et voilà, bim. Donc là, je mène de... J'ai presque 2 de plein de bacon. Pardon. Donc, au prochain tour, soit je mets ça... Ouais, je vais mettre ça. Bon, c'est bien, tu peux me faire des dégâts autant que tu veux. Je pense que ça va me... Ah, ça fait mal, ça. Oh non, sérieux. Ça va, faisait pas trop mal non plus. Donc j'ai 4... On va mettre... Ouais, je vais mettre une provocation, je mets mon armure. J'attaque. J'attaque. Et voilà. Il ne reste plus que 3 points de vie. Donc je pense, ben ça, c'est mon idée. Après je sais pas, c'est, ça dépend peut-être des joueurs. Mais moi, dès que je suis en début de partie, dès que je suis en début de Hearthstone, donc dès que je débute au jeu, j'attaque directement, je cherche même pas à essayer de lutter, c'est creep ou ben c'est carte, je suis habitué avec Dota. Je change directement à la blessée, puisque pour l'instant. Il me fait pas trop mal, vous voyez, elle a 3 points de vie, j'en ai encore 20, 25 on va dire. Ça c'était con. Voilà. Ah oui, mais j'ai oublié lui. Bon, c'est pas grave, hop. Bon, c'est bon. Voilà, coucou. T'as le charme maintenant, et t'as ton truc métallique. Donc, comment on va faire pour l'autre, tu es... Bon, on va suicider lui. Je pourrais l'attaquer directement, mais voilà. Juste pour qu'il croit qu'il a un seul un moyen. Hop. Non, je voulais dire ça. On peut pas? Ah, si.
Voilà. Niveau 3. Même pas? Ah si. Deux pièces. Ah si, voilà. Ah non, deux. On va faire un dernier match. Hein. À tout de suite. Ouais. Quoi? Donc. Comme ça, en plus, vous pourrez découvrir avec moi les nouvelles cartes que j'ai, puisque les nouvelles cartes. Bah si, les nouvelles cartes, puisque je vais gagner 100 pièces d'or. Parce qu'il y a une mission qui était de faire 3 parties en ligne. Donc voilà. Et puisque là, je suis ma deuxième, ça va être la dernière. Chaman. C'est quoi son attaque? Vous commencez. Ah, ça c'est pas mal. Donc on va tout garder. Hein. On est en train de choisir. J'aimerais bien voir son totem. Je pense à bah, sa capacité. Je pense qu'on doit invoquer un truc. Invoque un totem aléatoire. Ouais, voilà. Donc après j'ai pas parlé mais pour Hearthstone je ferai des vidéos j'essaie d'en faire assez souvent donc voilà c'est pour juste pour l'amusement je vais pas vous faire un gameplay dessus du niveau 1 au niveau maximum c'est pas mon but juste de faire des petites parties comme ça après si je peux faire des tournois ah ok juste ça. Voilà, en 2 secondes. Coucou, au revoir. Hop. Bon, je vais l'embêter quand même. Voilà. Donc après, si aussi vous voulez faire des parties avec moi ou vous pouvez participer à des tournois, dites-le moi sur Facebook, Twitter ou YouTube. Vous pouvez même me demander sur Hearthstone directement. Donc mon pseudo c'est Spoon. S-P-O-N, c'est écrit en bas. Vous pouvez le chercher, vous me trouverez facilement. Voilà. De toute façon, je vous accepterai. Bon, sauf si vous êtes niveau maximum et vous essayez de me tuer. Je pense que je n'aurai pas directement avec vous, mais si vous êtes au même niveau que moi et vous êtes par exemple en difficulté pour apprendre à jouer, voilà. Je voudrais bien jouer avec vous. Ah, ça fait 3 de dégâts ça. Ah bah il va mourir. Ouais. Il va plus utiliser ça. What? Ah, c'est trop bien ça. En fait il est endommagé donc il peut réutiliser, il peut se reconstruire. Oh bah con. Ouais. Bon pour l'instant moi j'ai eu qu'une pièce sur toute une partie. Ok. Un double kill. Triple kill. Donc je vais mettre la hache. Je vais mettre ça. Je vais attaquer. Et puisqu'il est blessé. Ah ok, c'est juste l'animation. Puisqu'il est blessé, je peux le tuer. Voilà. Donc il a plus beaucoup de vie, je commence à revenir un peu. Parce que là, il m'a quand même fait beaucoup mal. Surtout au niveau des cartes. Mes cartes. Qu'est-ce que tu as joué? Je mets du temps. Avocat totem. Ok, pas votre quoi. Ah, c'est quoi? Totem incendiaire. Oula. C'est rien en fait. Oh, j'ai pas assez. J'aurais tellement aimé pouvoir placer ça et les deux. On va mettre ça quand même. Juste pour le troll, on va mettre ça. Hop. On va mettre quand même mon bonus de. Voilà.
Avant que Hearthstone soit mis en soit devenu un free to play, je joue aussi à Might and Magic, je vous conseille, c'est sur Steam, c'est gratuit. Donc c'est un peu le c'est aussi un peu un jeu de cartes. Donc il m'arrive le silence. Et toi? De peut être. J'ai pas vu. De peut pas être type de sort ou de pouvoir héroïque. Ok. Bon, on va mettre lui. Les portes sont ouvertes. Ah oui, il me fait 3 lui. Moi je suis. Elle est morte. De toute façon, prochain tour, c'est. Bon, non, je pense qu'il va m'attaquer lui directement. J'ai. Après, je peux même. Je pense que je vais avoir une carte. Une carte pour avoir une épée. Qui permettrait de l'attaquer directement. Transforme un serviteur en grenouille. Oh, merci! Vraiment. Ah, bien joué, comme ça il peut me le tuer. Ou après. Je sais pas ce qu'il veut faire après. Ouais, pour m'attaquer, je pense. Ou pour le tuer. Plus son totem. Ouais, voilà, c'était ça. La provocation, lui. Allez. Ah oui, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Faut pas chercher leur défense. Donc, je vais mettre juste ça pour les cartes. Voilà. Il a quand même bien joué là, il a réussi. Bon, il va pas gagner non plus, je pense. Sauf s'il fait un soin qui lui redonne toute sa vie, ça c'est. Je pense que ça n'existe pas. Je suis sûr même. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je pense qu'il va m'attaquer avec cette épée, il va me tuer lui. Et il va me tuer lui avec lui. Ah ouais, avec un sort, ouais. Ah. Ah, pas mal, il va me tuer les trois. Pense, ouais, il va attaquer avec son épée lui et il va le tuer avec lui. Ouais. Ah, pas con. Et voilà. Et ouais. Ah non. Il est con. Parce que 2 secondes après, je pourrais activer mon bouclier. Faut pas chercher leur défense. Hop, voilà, ça sert plus à rien ce que t'as fait. Travail terminé. La partie chez elle dure un peu plus longtemps que j'aurais pu. Un peu plus longtemps que prévu, ouais. Oh, il fait chier avec son totem. Il va être encore en provocation, non? Ah, cool, il est pas en provocation. Moi, j'en ai eu rien à foutre. Dégale. Ah, ouais. Ah, aïe. J'ai pas eu de sort. Oh, il va remettre un. Ça, si j'ai un charge, je peux. Oh, il faudrait que j'ai un 3. Un 3 en charge. Aïe. Aïe. Aïe, elle remonte bien. C'est quoi ça? Ouais, non. Donc, puisque lui peut pas attaquer, je vais attaquer lui. Enfoiré. Voilà, parce qu'après je pourrais pas lui tuer donc. Et lui il pourra me tuer donc c'est pas intéressant. Finaise, il est trop bienvenu en fait. Aïe! Je sens la douleur. Ah oui. Oh bon, c'est bon. Oh, comment il remonte? Oh là là. Aïe. Aïe, il a même pas besoin. Ah oui, il a même pas besoin de me tuer en fait. Tu vas tâter de mon fer, porc. 4. Attends. 4, 7, 9, 11,
13. Ouh, il va me rester je sais pas combien de points. Ah bah, j'ai pas très bien compté. Ah bah non, 4, 6, 8, 9, 9. Il va me rester 9, 10, 6. Ouais, 6. 6, s'il fait un sort en plus, c'est bon. Mais en fait, faut juste avoir... Ah, j'aimerais trop avoir un sort. Une piocher deux cartes. Ah, non, pas ça. Ah bah non, elle lui reprendrait sa vie. Oh. Ah oui. Oh. Je vous remercie. Je peux faire plus ça. Je vais perdre. Je le sens bien. Ouais, bah non, en fait il a gagné parce qu'il peut m'attaquer directement. Ouais. Bien joué. Ouais, voilà. Ouais. Oh, en plus il me finit avec lui. Ah, bah, j'ai perdu, mais j'ai quand même gagné presque un level. Ouais. J'ai quand même gagné de l'or. La plupart des quêtes. Atteindre le niveau 10 avec une classe et infliger 100 points de dégâts au héros. Bien. Ok. Voilà. On va juste ouvrir. Ouais, voilà. Je vais les faire. Boutique. Un pack expert. Bah, j'en fais pas. Et acheter. Attention, on l'ouvre. Ah, mama yama. So. Affiche des dégâts d'un montant équivalent à l'attaque de votre serviteur. Choix des armes, charge ou confère. Coûte un cristal ou de moins par attaque de votre arme. Ok. Furie des vents. Oh, pas mal. Ouais. Donc ça va quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous aimez cette série. Donc ça va être une petite, ça va être une série qui va peut-être durer très longtemps, mais ça n'a pas beaucoup d'épisodes, c'est plutôt un épisode de temps en temps. N'hésitez pas à laisser un pouce vert, un pouce bleu, si cette vidéo vous a plu, ou si cette vidéo ne vous a pas plu, mettez un pouce rouge et dites-moi pourquoi. J'essaierai de m'améliorer pour la prochaine vidéo. Donc voilà, partagez cette vidéo si elle vous a plu, à vos amis, s'ils aiment bien Hearthstone, ou voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous trouvez que mon contenu est assez est intéressant. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et à la prochaine, salut, c'était Spoon.